Bonsoir tout le monde, olá todo mundo e sejam bem-vindos para mais um Francês ao Vivo, pontualmente às 21h10, assim como é toda segunda-feira e toda quinta-feira. Se você está assistindo esse bate-papo ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você assiste depois, seja bem-vindo também. Hoje a gente vai receber uma aluna do curso Francês com Francês. E qual que é a meta com esse bate-papo? Você que está acostumado já sabe. E conversar. A gente vai conversar com a Marta, a gente vai escutar um pouco a história dela, quem ela é, por que que ela começou o francês, qual que é a trajetória dela em relação à língua francesa, para bater um papo mesmo, e bate-papo para conversar. Uma curiosidade, talvez se você não está acostumado, os bate-papos são em francês. Claro, os alunos franceses com francês falam francês. Esse momento é um momento para a gente para se comunicar, né? Para conversar, para utilizar o francês. Então, se você tiver alguma pergunta para a Marta, que vai se apresentar, que eu vou receber daqui a pouco nessa sala, pode escrever nos comentários. Se eu não ver, a Paula vê, a Paula me fala. Se eu ver, eu já passo para a Marta a questão, eu já respondo para ela. E assim a gente vai poder conversar, enfim, vai ser bem, bem legal. E esse bate-papo ele está acontecendo tanto aqui no meu canal YouTube, quanto no Instagram. Só que no Instagram, dá para assistir, mas eu acho que fica melhor no YouTube, né? Sempre fica melhor no YouTube, que a gente tem uma qualidade de imagem melhor, tem tudo. C'est parti? On va commencer à parler français et je vois qu'il y a déjà beaucoup d'étudiants que je connais. Rosange, Valesca, Ana Luisa, Regina, Fernanda, salut tout le monde. Aletta aussi, Jessica. Bon, c'est parti. Je vais appeler Martha. Et Martha arrive dans quelques secondes. Patience, patience. Ça fonctionne. La jonction est en cours. Salut Nati, ça va? Tous les étudiants se disent bonjour entre eux. Exactement, Fernanda. Tout le monde va se rencontrer bientôt. Voilà, Martha. Salut, Martha. Où est... Ah, est... Avec l'image maintenant, c'est bon. Avec le son et l'image. Bienvenue Martha pour cette bienvenue pour cette rencontre. Merci pour ta disponibilité. Ça va? Merci beaucoup. Je pour vous, pour tu, ouvrez-moi un Très bien. peu. Très Mon bien, ben français non, c'est... n'est pas bon. Donc, mon français n'est pas bon. Ah, ne commence pas comme ça. On va commencer par discuter. Alors, avant de critiquer ton français, la première chose, je pense, c'est est-ce que tu peux nous dire, Martha, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu habites, qui tu es, voilà, pour nous expliquer un peu qui tu es. Ah oui. Je m'appelle Martha Menezes. Je suis infirmière. Je travaille public service Ouais, dans le service. vers 30 Ouais. ans. Très bien. J'habite à Théophlotone. C'est à Petite Ville, à Minas Gerais, très Ouais. chaude, Et tu m'expliquais, pleurer. ouais. J'habite à maison avec mon père. J'ai 57 ans. Ouais, très bien, 57 ans. Et dis-moi, Martha, tu étudies le français depuis combien de temps? C'est une longue histoire Ah, j'adore parce les que histoires. Tu peux commencer. oui, j'adore la France
les parfums, la cuisine, le pays. J'adore. J'adore la France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu as déjà visité, la France? Oui, oui. Ouais. À Paris. À Paris. Paris, Versailles. Ouais. Vers l'année 88, j'habitais à Belo Horizonte pour étudier. Très bien. La facu. Facu d'infirmière. La faculté d'infirmière, très bien, ouais. Oui. J'ai commencé à faire tu connais la langue française dans une école Alliance française. Une institution très traditionnelle à Belo Horizonte. Oui. J'ai étudié un peu, un peu. Et j'ai arrêté à étudier. Ouais. En 2019. Oui, 2019. Oui. Oui. J'ai retourné à étudier les langues françaises avec une professeure. Ouais. Avec une professeure particulière. Ici, oui, particulière. Oui. Ici. Ma ville, elle a 90 ans. 90 ans, 90. 90 ans, ouais. Oui. Très bien. Elle habite à France. Elle est très jolie, très belle. Et je retournais pour parler français, je continuais. Je continuais de réviser. Ouais. Mais quand commencé la pandémie, alors j'arrête, stop ma cours de français. J'ai découvert vous en internet. Ouais, et tu as décidé de continuer en ligne ton français. Oui, continuer pour parler français, pour j'habite à France. J'habite à France. Alors voilà, comme... c'est ça. C'est ma question, ça, parce que tu aujourd'hui tu es infirmière. Oui. Tu travailles dans un hôpital de public. Oui, c'est non un hôpital. C'est une comme le dire, mon Dieu. C'est un centre de spécialité. Ouais, un centre spécialisé. Oui. Ouais. Spécialisé médecin cardiologiste orthopédiste pour les autres psychologue oui c'est D'accord. Le centre et alors mais c'est public. Mais c'est public. Pourquoi la langue française? Parce que si tu travailles comme infirmière dans un centre public
un centre de médecine spécialisée. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est habiter en France plus tard. L'objectif, c'est quoi? Visiter Paris à nouveau? Non, quand je restais apposée, Quand j'ai pris ma retraite, ouais. quand ma Quand j'ai pris ma retraite, c'est prendre sa ah, retraite. oui, j'aimerais habite à France Ouais. pour un Ouais. petit temps, un D'accord. peu de temps. Ouais. Et tu voudrais habiter où en France? Tu as une idée déjà? Je pense pour habiter Paris, non, parce que Paris, c'est très, très cher. Très, très cher. Ouais, c'est un peu Mais plus. je ne sais pas, Provence, je ne connais pas Provence. Génial. J'aimerais connaître la Provence. Ouais, super. C'est ma Parce que, région. oui, parce que j'adore parfum. J'adore parfum. Allez, la ville Je de pense qu'il y a grâce. l'autre. Je pense que notre vie, je suis parfumée. Hein, Je c'est possible. ne Ça, c'est sais pas. une autre spécialité. Parce que Mais. j'adore parfumer, parfois j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. La cuisine française, c'est Ouais. très. J'adore, j'adore. Et ton objectif, alors, ça serait donc aller vivre en France un mois, 2 mois, 3 mois, par exemple, pour étudier la gastronomie ou étudier la langue française ou juste aller en France pour le plaisir. Pour une nouvelle expérience de ma vie. Très bien, très bien. Si tout est certain, si tout va bien, Et oui, tout va bien. Ouais. si tout va bien pour ma vie. Eh non, mais c'est un beau projet, c'est un projet intéressant. Parce que, imagine, tu habites en Provence, tranquille, dans une petite ville, et tu as 1 million de choses à faire, 1 million de choses à voir, 1 million de choses à manger, 1 million de choses à. Les possibilités sont multiples. Très bien. Et alors, j'ai une question de curiosité. Aujourd'hui, tu as quel âge? 57 ans. Très bien. Et ce projet d'habiter en France, un peu. C'est un projet à court terme, à moyen terme ou à long terme? À moi, ça dépend de ma restée, de mes Ouais, apposées de ta retraite. de retraite. Oui, ça dépend de ma retraite. Je pense que l'année 2025, je serai retraite. En retraite, 2025. Bon, ça va, c'est un projet intéressant. Dans grosso modo 3 ans, tu as un Trois projet. ans. Oui, Hein, 3 ans. projet d'expatriation. Très bien, très bien. Si Et alors, tout va bien, si tout va bien. si tout va bien, non, on va attendre, on va attendre. Bon, moi, je croise les doigts. Comme on dit en France, croiser les doigts, exactement. C'est pour favoriser la chance positive, le succès, etc. Donc, je croise les doigts pour toi. Bon, donc toi, tu as une longue histoire avec la langue française parce que tu as commencé quand tu étais à l'université
en 1988 à Belo Horizonte. Après, tu as fait une grande pause, tu as recommencé en 2019, tu as fait une pause et c'est la pandémie finalement qui t'a forcé à commencer à étudier en ligne. Parce qu'avant, tu étudiais avec une dame âgée de ta ville. Qu'est-ce que tu vois des différences entre le français de l'institution à Belo Horizonte, le français que tu as étudié avec ta professeure, cette dame, et le français que j'enseigne, le français que j'utilise? Tu vois la différence? Oh, Eric, Oui. et là, à l'Alliance française, j'ai oublié beaucoup de choses. C'est normal, ça fait longtemps. À longtemps. Mais ma professeure, la dame, c'est la même chose. Comment te dire? Vas-y, je suis curieux, dis-moi tout. Tu peux me tutoyer. Tu. C'est jeune. Plus ou moins. Française. Oui, jeune. Elle, c'est ma traditionnelle. Oui, traditionnelle. Ouais. Non, non, J'imagine vieille. Traditionnelle. traditionnel. Mais, Tu faisais, j'imagine, des conjugaisons, tu faisais oui. des articles, des exercices. Mais beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. C'est la même chose. Ouais. La prononciation. La prononciation, par exemple, j'ai étudié. Oui, J'ai vous étudié. parlez, j'ai étudié. J'ai. Ce n'est Exact. pas important. Oui. Non, ça c'est Ce n'est pas. des petites variations, des petits détails, ouais. Oui. Mais elle parle, j'ai. Donc, J'ai appris. j'ai appris, Plus ouvert, j'ai. j'avais. Je pense que c'est prononciation, c'est mélodieuse. Mais bon. Eh oui. La Mais. prononciation, elle varie généralement beaucoup hein, en fonction de l'accent de la personne, de l'origine finalement. D'où est la personne, où la personne a appris la langue française. Moi, c'est vrai que je suis originaire du sud de la France, donc évidemment, j'ai un accent vers le sud. Oui. J'ai tendance à fermer, principalement, comme tous les habitants du sud, hein, fermer les et. Les gens du nord, les gens du nord, pour simplifier, ont tendance à ouvrir les et, pour faire et. Et dans le sud, on va avoir tendance à fermer et. Mais à la fin des comptes, c'est un peu la même chose. À la fin du compte, si on regarde bien, c'est la même langue, c'est la même écriture, c'est juste une manière différente d'interpréter la langue. Mais tout est Oui. correct. Exactement comme Amines. Ah oui. Ah oui. Elle est très intelligente. Très intelligente. Très intelligente. C'est studieuse. Étudieuse. Elle est studieuse. Studieuse. J'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de paroles, de manières. Et tu dire la française, elle habite en France.
en France, non? Elle habite en France pour De nombreuses beaucoup, années. oui, beaucoup d'années. Et alors, tu m'as dit que actuellement, tu habites avec ton père, tu habites avec ta mère. Comment ça se passe pour étudier aujourd'hui le français? Tu as un moment pour toi où tu étudies le français le matin, par exemple? Tu as un moment où tu Oui. vas t'isoler? Comment ça fonctionne un peu ta routine? Dis-nous. N'est pas facile. C'est pas facile. Explique. N'est pas parce que j'étude Ouais. ici, la salle, de ma maison. Ouais. Je mets la porte. Ouais. C'est le matin. Ma routine. C'est non, et. Les deux, c'est quoi? Je réveille à 5 heures de la matin. Très tôt. Très, Très très tôt. tôt. Ouais. Très tôt. À 6 heures, je fais la gym. Ouais. Vers 7h45, je me douche, hein, je réveille mon père, je prépare les médecins, les Les remèdes, médicaments, ouais. médicaments, les petits déjeuners. Ouais. Et fermer la porte, ouvrir mon note Mon et ordinateur. Ouais. commencer à étudier. Très bien. Et même avec ton père dont tu t'occupes ou ta mère dont tu t'occupes, tu arrives avec toutes tes activités, la gym, le sport, le travail, tu arrives à étudier, à séparer un moment le matin. Tous les matins, Oui. tu étudies comme ça? Oui, tous les Très matins, non. Tous les matins, par semaine, non. Je suis en retard. Je jure. Pas de problème, pas de problème. Je jure. Ah, mais toi, Mais c'est pas un j'ai. problème parce que ton objectif pour le français, c'est en 2025. Donc, tu as le temps finalement d'étudier. Tu peux étudier à Oui. ton rythme, comme tu veux. Et comme tu étudies sur l'ordinateur, tu es tranquille, tu adaptes. Oui. Então, eu tento, J'essaie. j'essaie étudier tous les jours, mais je ne consigo, je Non, tu ne, n'y arrives pas. oui, Ouais, normal. mais quel lembrar? Je me souviens. Je me souviens toutes les paroles, les conjugaisons, les adverbes, les verbes que ma professeure, ça s'appelait Iris. Iris, Iris. mais elle est Iris. brésilienne alors. Oui, c'est Brésil. Brésilien, c'est Théophile Otonense. Une C'est la mineure Otonense. native de Et ton village. votre méthode, c'est très bon. Hein, pourquoi? Pourquoi tu Pourquoi? trouves que c'est bon? Pourquoi? La première, la première est aula, Le premier cours. première qui vous dire pour nous sont les sons
de lettres. Mm-hmm. A, B. La prononciation. C'est ouais. Très important. Très important. Et c'est la méthode très bonne. J'aime beaucoup. Ouais. Ma tu prononciation que... meilleure. C'est amélioré. Amélioré, oui. Mm-hmm. Ouais. Et tu penses que... J'ai tu penses un que... peu, vas-y. J'ai un peu pour parler, pardon. Non, vas-y. J'ai un peu peur pour parler. Ouais. Oui. Pourquoi tu penses que tu as peur de parler? Je ne sais pas, timide. Je vais te donner un conseil. J'ai lu, mm-hmm. mais parler, c'est encore une un blocage. Blocage, oui. Alors, je vais te donner un conseil. Pour parler, pour communiquer, pour avoir une conversation tranquille et agréable en français, tu as quatre compétences qui sont essentielles. L'écriture, la lecture. Là, généralement, c'est plus tranquille, principalement la lecture. Tu as écouté, qui est tranquille, parce que les langues latines, entre le français et le portugais, facilitent beaucoup les choses, mais il faut parler. Parler, c'est essentiel pour pouvoir se communiquer. Et c'est vraiment important de se forcer, principalement si on est timide, pour avancer et évoluer dans chaque compétence. Et parler, il y a un secret qui n'est pas un secret. Pour parler français, il est nécessaire de parler français. Exactement, pour lire, la seule chose, c'est la lecture, c'est la répétition. Plus tu vas lire, plus tu es bonne à la lecture. Et généralement, les étudiants, ils préfèrent faire les choses qu'ils aiment et les choses où ils ont des facilités. Ah, c'est plus facile d'écouter, c'est plus facile de lire. Je préfère écouter, je préfère lire et je ne parle pas. Mais non, là, il est nécessaire une certaine violence pour se forcer à parler. Parce que plus tu parles, plus c'est naturel et plus ton vocabulaire, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est vraiment très, très important. J'aime écouter la musique française. Ouais, quelle musique, quelle chanson tu écoutes ou quels artistes tu écoutes? J'adore hier encore parce que la prononciation c'est très facile. Zaz, mm-hmm. Zaz. Ouais. Je veux les passants. Edith Piaf, vous parlez. J'en parle, mais... Vous dites, c'est très. C'est ça. C'est, je ne suis pas, je suis pas un grand fan. Je ne sais pas si vous aimez, mais. La prononciation change, le vocabulaire change énormément. Je préfère les choses un peu plus actuelles, c'est vrai. Mais j'écoute Zaz beaucoup, j'adore. Ouais, Zaz, le problème. Sous la selle de Paris, c'est très très belle chanson, j'adore. Ouais, magnifique. Magnifique. Le problème de Zaz, c'est qu'elle elle chante rapidement. Elle chante un peu rapidement, mais c'est vrai que c'est une chanson qui est intéressante. Et des films ou des séries télévisées, tu en regardes? Un film. Oui, je regarde séries. Mm-hmm, des séries. Séries. Ouais. C'est une série qui s'appelle... Marseille. Mm-hmm. C'est politique, policière. Oui, hein. Oui. Marseille, às vezes, como é que às vezes? Des fois.
Des Des fois? fois, ouais, des fois. Ah oui, des fois. Oui. Des fois. Ah oui, des fois. J'ai oublié. J'ai un Netflix. Et des fois, passe un film française. Ouais, il y a beaucoup de choix de films, de séries sur Netflix. Il y a des bons films, il y a des films moins bons. Mais bon, l'important, c'est regarder, hein. L'important, c'est de se forcer à voir pour actualiser le vocabulaire, actualiser les constructions, pour avancer progressivement. C'est bien, c'est bien. Et. Il y a un film de la vie de Chanel. Coco avant Chanel. Coco C'est Chanel. très bon. Ouais, très bien. Tu m'as dit que tu adorais la gastronomie. Tu m'as dit que tu adorais la gastronomie. Tu essaies aussi de chercher des recettes françaises, par exemple, pour cuisiner, pour faire des choses un peu différentes. Non, Non? je ne comprends pas. Ah Pardon. bon, je te demande, Oui. comme tu aimes la cuisine, tu aimes la gastronomie française, est-ce que tu cherches des recettes internet, sur Internet, des recettes françaises que tu Oui, essaies? à Facebook, c'est une chef. Qui cuisinait, je sigo. Ouais, tu accompagnes. Ouais, tu accompagnes. Bon, la J'accompagne. prochaine étape, c'est pas accompagner. La prochaine étape, c'est cuisiner, préparer les plats, etc. Ici, au Brésil, c'est autre cuisinier, autre chef, trois gants, Ouais, Claude ouais. Trago. Claude J'adore. Trois. J'adore Claude. Ouais. J'adore. Et Claude Trois-Gros. C'est un cuisinier, tu sais, qui a été très, très important. En fait, sa famille, le père de Claude Troisgros, hein, bon, Claude Troisgros est un grand cuisinier, mais son père a participé à la révolution culinaire française. Il a permis, le père de Claude Troisgros, la création d'une nouvelle gastronomie, une gastronomie plus moderne, Oui. moins traditionnel, plus facile. C'est une personne très, très importante pour la gastronomie française. Oui, j'adore. Mondiale, mondiale. J'adore. Ouais. J'adore. Génial, génial. Et dis-nous, alors maintenant, moi, tu es tu nous as dit, hein, que tu étudies à ton rythme, etc. Tu es dans quel module? Tu es dans quel niveau là actuellement? Tu sais? Des cours? Ouais. Module 9. Ah, module 9, très bien. Oh, donc, tu as un quart du cours, approximativement. Un quart. Très bien, très bien. Donc, tu as Encore, encore beaucoup de oui. choses à voir, à avancer, tout ça. C'est bien, c'est C'est bien. Et tu vois la. 36 modules, Ouais, 36, en oui. tout, il y a 36 modules, exact. Et Marthe, tu vois ton évolution, tu vois tes progrès en vocabulaire, en Oui, prononciation. sans doute. Sans doute. Aujourd'hui, je n'ai pas participé d'une conversation Ouais. parce que j'ai ici. Ouais, tu parles avec moi. Ouais. Pour concentrer, pour me concentrer, mais j'adore la conversation, j'adore. C'est Ouais. très important, très important. Exact. Je connais trois professeurs, trois ou quatre professeurs. Quatre, ouais. Trois ou quatre, j'oublie. Mais très important,
cette conversation. Exact. Très important pour moi. Ouais, pour avancer. Surtout toi qui es timide, que tu m'as dit, c'est important pour forcer à avancer, pour continuer à parler, etc. Ouais, très bien. Oui, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une chose que tu pensais que, qui serait différente? Est-ce que tu as eu une surprise comme ça avec, avec la langue française dans le cours ou en relation directement avec la langue française? De la française, les Ouais. cours. C'est court? C'est Ouais. court? Ah oui. Je pense que je dois étudier plus. Eh ouais, mais ça, c'est pas un problème. Comme tu C'est étudies. Tu étudies dans ton rythme, hein, comme tu as 3 ans pour aller en France, tu peux étudier comme tu fais, un cours, 2 cours par semaine, tranquille, à ton rythme, calmement, et tout va bien. Sept cours, mais fais, comme m'a dit mon Dieu. Ce cours t'a fait? Ma fait. Découvrir autre manière pour parler, pour connaître la langue française, l'expression. L'expression française. C'est important ça de découvrir d'autres manières. La routine, la tradition de la vie française. Parce que vous êtes française. Pour moi, c'est important. Les Français, comme vous dire, comme tu dis, l'authentique française. C'est authentique. Ouais. Quand j'écoute la musique, la chanson, quand j'assiste, quand tu regardes. Regarde le film, je fico connectada la parole, l'expression. Manières de prononciation, que c'est la même chose. C'est très important. Exact, c'est important. C'est une chose que je pense qui est plus qu'importante en réalité, hein, qui est essentielle, parce que si tu veux parler avec des Français, ou si tu veux voir des films français, ou bref, des choses en relation directe avec la langue française, tu es obligé d'avoir ce contact et d'avoir cette notion de français authentique pour avoir une meilleure compréhension. Très bien, très bien. Très bien, parfait. Oui. Ouais. Martin, continue alors en tout cas, continue comme ça à ton rythme. Et comme je te dis, je croise les deux doigts, les deux doigts des deux mains. Merci. Pour que ton projet se passe et que ton projet soit possible. Je rappelle hein, qu'aller en France pour le plaisir, pour étudier, pour rester un peu quelques mois pour habiter en France, tout ira très bien. C'est sûr que ça ira bien. Et Martha, je rappelle, hein, continue d'étudier. Dieu bénisse. Ah oui, j'espère bien. Et continue d'étudier à ton rythme aussi, parce que c'est ça, l'avantage du cours en ligne, c'est cette flexibilité. Les jours où tu peux étudier, étudie. Les jours où tu ne peux pas étudier, n'étudie pas, ce n'est pas grave, mais toujours conserve cette routine, cette manière de parler, cette manière d'avancer. Oui. Très bien. Merci. Cool. Très bien, très bien. Merci pour ce moment. Ouais, merci à toi. Pour parler avec tu. Mm-hmm. Merci beaucoup.
Merci énormément d'avoir accepté cette invitation, Martha. Et comme je dis, je vais penser beaucoup à toi maintenant, à ton projet, à tes révisions, ta retraite, ta routine qui est un peu qui est compliquée parce que tu as beaucoup de choses, mais continue de te forcer à parler parce que ce sera bénéfique pour ton français, tu verras. Oh, merci. Oh, D'accord? d'accord. Martha, passe une excellente fin de semaine alors. Merci. À très très bientôt. À Et bientôt. Merci on se parle beaucoup. bientôt sur la communauté, d'accord? Ah, d'accord. Salut, à bientôt. Salut, bientôt. Et aí, minha gente? Bon, cette conversation est terminée. C'était, je vois les commentaires. C'était une conversation intéressante et o que eu gostei mais? E o calma da Marta que está falando, não, a minha meta é falar daqui 3 anos. Então, quando a pandemia chegou, ela mudou o jeito dela de estudar. Ela estudava com uma senhora, né, de 90 anos. Ela passou para o online e agora está estudando do jeito dela, da maneira que ela faz. Ela vai atrás dos filmes dela, das músicas dela. Gente, música, filme, receita, qualquer coisa, qualquer desculpa é uma boa desculpa, porque a meta é utilizar o idioma para melhorar cada vez mais. E tá tudo bem se às vezes sai errado, se às vezes se você não sabe tal ou tal palavra, tá tudo bem. O mais importante é aprender e crescer no seu ritmo, né? Basicamente é isso. E cada um tem o ritmo dele, isso aí que é bom. Mas eu estou bem feliz com o seu resultado, com o seu desempenho, Marco. Merci beaucoup por cette participation, d'avoir accepté mon invitation. Gente, agora vamos falar dos recados. Segunda-feira vai ter francês ao vivo, que vai ser sobre Paulo. Eita, eu não criei um negócio, mas enfim, segunda-feira às 21h10 vai ter um francês ao vivo. Bem bom. Ah, de pronúncia? Ah, não sei, mas semana que vem a gente vai falar de pronúncia e a gente vai falar de. Não, não tem convidado. Eu não sei. Bom, a Paula também não sabe, eu não sei, mas eu sei que a semana que vem vai ser top, porque eu já planejei minha semana, eu planejo minha semana sempre com antecedência, e vai ser bem bom, bem interessante. Então, pode programar. Em breve eu vou mandar um e-mail para vocês, eu vou publicar a agenda nas minhas redes sociais, e eu vou criar os encontros no meu canal YouTube. Ok? Leandro, Teresinha, merci beaucoup. À Denise, Ana Lúcia, Marcos, de retour après le Covid, Marcos. Merci beaucoup. À très, très bientôt. A gente vem em breve. Então, excelente fim de semana, excelente fin de semaine. Reposez-vous bien, dormez-vous bien. Lundi, 21h10. Oui, dormez bien. A Paula está dando risada que eu estou mandando vocês dormir bem essa noite. Gente, sabe por que eu falei isso aqui? Dormez bien. Que eu estou fazendo insônia esses dias. Essa noite eu acho que eu dormi 2 horas. A noite passada eu tinha dormido 3. Então eu mando você. Dorme bien. Reposez-vous bien. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.